bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour le premier bulletin d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Le dernier bilan du renversement dimanche d'un autocar au niveau du pont de Oued Demchen, commune d'Al-Khank, dans la province d'Al-Rachidia, est aujourd'hui de 18 morts. Les personnes blessées ont presque toutes quitté l'hôpital régional Moulay El-Ishrif à Rachidia, où elles ont été soignées à l'exception de 3, toujours sous surveillance médicale. Le régime de l'assurance maladie obligatoire se renforce et s'élargit aux catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Les premières bénéficiaires viennent de recevoir les premières allocations familiales. Il est détenteur de 9 records du monde en parachutisme natif de Khnifra et installé aux Émirats Arabes Unis. Anas Bakali excelle dans une discipline classée dans la catégorie des sports extrêmes et qui demande de la condition physique et de la concentration. Ses plus beaux sauts, il dit les avoir réalisés en tenant le drapeau marocain, son portrait en fin de journée. Nous le disons en titre, le dernier bilan du renversement dimanche d'un autocar au niveau du pont de Oued Demchen, commune d'Al-Khank, dans la province de Rachidia, est aujourd'hui de 18 morts. Les personnes blessées ont presque toutes quitté l'hôpital régional Moulay El-Ishrif à Rachidia, où elles ont été soignées à l'exception de 3, toujours sous surveillance médicale. Reportage Nourdine Nafi et Mohamed Aitlishkar. Après les crues dévastatrices, le lit de l'Oued est presque à sec. Et la circulation est redevenue normale. Le long du lit, quelques flaques d'eau. Et les équipes de recherche, toujours mobilisées, à la recherche d'éventuelles portées disparues. Un peu plus loin, à l'aval, d'autres équipes de recherche au niveau du barrage Hassan Dakhil. 6 zodiacs et un hélicoptère mobilisé. Sur le lit de l'Oued, la carcasse de l'autocar, qui s'était renversée avant-hier, dimanche, au niveau du pont Oued Demchen, dans la commune d'Al-Khank, drame qui a fait 18 morts, selon le tout dernier bilan. Un dernier cadavre a été reçu aujourd'hui même par l'hôpital régional, que la quasi-totalité des blessés a pu quitter après avoir reçu les soins nécessaires. On avait reçu 30 malades, 27 ont quitté l'hôpital et on garde 3 malades. Un malade, il sera opéré, donc après avoir donc achevé donc tout le bilan nécessaire avec les soins locaux nécessaires. Et on a gardé encore 2 malades sous surveillance. L'un des blessés, toujours hospitalisé, souffre d'une fracture ouverte au niveau de la jambe droite. Le patient, donc, il a reçu initialement les soins primaires. Actuellement, on va l'admettre au bloc opératoire. Donc il va bénéficier d'une intervention chirurgicale pour soigner sa jambe. Donc on va mettre un matériel de osteosynthèse. Donc c'est une intervention qui n'est pas difficile, donc elle va lui permettre de marcher le plus tôt possible et d'avoir une bonne fonction après. Le tout dernier bilan du drame est donc 18 corps repêchés, 30 blessés, dont 27 légers. Les recherches se poursuivent d'éventuelles portées disparues. Le régime de l'assurance maladie obligatoire se renforce et s'élargit aux catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. 2 projets de décret à ce sujet avaient été adoptés, rappelons-le, jeudi dernier par le Conseil de gouvernement. Voilà ce qui renforce la couverture médico-sanitaire au Maroc, 9 mois après l'adoption d'un décret sur l'immatriculation du personnel de maison à la CNSS. Les premières bénéficiaires viennent de recevoir les premières allocations familiales. Nisrine Hamdaoui, Fatna Tabout. C'est un grand jour pour Halima, travailleuse domestique à Casablanca. Elle vient de percevoir de la Caisse nationale de sécurité sociale les premières allocations familiales de l'ordre de 600 dirhams. Ce qui représente 33% du salaire déclaré à hauteur de 2000 dirhams par mois. Une première après l'entrée en vigueur de la loi 1912 qui encadre le travail des travailleurs domestiques. Je suis très heureuse de recevoir ces allocations. La régularisation de la situation a été rapide. Je suis très contente aujourd'hui. Lorsque notre famille a entendu parler de cette nouvelle loi 1912, nous avons enclenché la procédure de déclaration du travail de notre assistante domestique avec l'aide de l'inspection du travail et la CNSS. La constitution du dossier ne demande pas beaucoup de documents.
La loi 1912 entrera dans sa phase d'application obligatoire en juin 2020, après l'adhésion spontanée d'un bon nombre d'employeurs à cette nouvelle loi qui respecte la dignité des travailleurs domestiques. Depuis, la promulgation de la loi sur les contrats de travail, actuellement, le ministère de l'Emploi et l'inspection du travail a reçu quelque chose comme 310 contrats. Sur les 310 contrats, nous avons de façon volontaire reçu l'adhésion de quelques 155 employeurs qui déclarent quelques 170 employeurs employés de maison. Et donc, de façon volontaire, en attendant l'entrée de l'obligation en vigueur. Halima bénéficiera également d'une assurance maladie. Un grand pas est donc franchi dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses assistantes domestiques. Cellule terroriste démantelée à Nador et Berkane, les recherches en cours menées par le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire ont permis de localiser deux sites dans une zone montagneuse au Douar Imchtassen, dans la commune d'Ar el-Kebdani, province de Driouche, où les membres de cette cellule menaient des expériences en matière de fabrication d'explosifs, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les fouilles et constatations menées sur place ont permis la saisie des restes d'une cocotte minute, d'un tube métallique, de câbles électriques et de clous utilisés dans des opérations expérimentales de fabrication d'une charge explosive à distance, indique le communiqué, ajoutant qu'il a aussi été procédé au domicile de l'un des suspects à Selouen, province de Nador, à la saisie d'un tube en plastique de taille moyenne et qui seront soumis à l'expertise scientifique. L'enquête en cours avec les éléments arrêtés a permis de relever leur implication dans la planification de l'exécution de plusieurs projets terroristes ciblant des cibles sensibles dans le royaume. Les mises en cause seront déférées devant la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. À Genève, un groupe de 23 États soutenant l'intégrité territoriale du Maroc a mis en avant aujourd'hui, lors de la 42e session du Conseil des droits de l'homme, la pertinence de l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume en vue de clore définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain. On va en Afghanistan. À présent, les talibans ont averti que les combats continueraient en Afghanistan si les États-Unis abandonnent les discussions sur un retrait de leurs troupes, comme l'a déclaré le président américain Donald Trump. Elles sont terminées pour de bon en ce qui me concerne. Elles sont terminées, a lancé Trump, optant pour un ton résolument offensif. Donald Trump a assuré que l'armée américaine avait durci son offensive contre le mouvement rebelle depuis l'attentat meurtrier de jeudi à Kaboul qui a tué un soldat américain. Les députés britanniques ont infligé une nouvelle défaite cuisante au Premier ministre Boris Johnson en refusant encore une fois de déclencher des législatives anticipées avant que le Parlement ne soit suspendu jusqu'au 14 octobre, deux semaines seulement avant la date prévue pour le Brexit, avec 293 voix pour, loin des deux tiers des sièges requis pour déclencher des élections générales. Les députés ont mis en échec pour la deuxième fois en cinq jours la proposition de Boris Johnson qui voulait que les électeurs soient appelés aux urnes le 15 octobre. Le chef du gouvernement a assuré qu'il ne demanderait pas un nouveau report du Brexit prévu le 31 octobre en dépit d'une loi entrée en vigueur après l'assentiment de la reine Elisabeth. On va parler sport très rapidement. Vous savez que ce soir, au grand stade de Marrakech, la sélection nationale dirigée par Wahid Alizovic affrontera le Niger en match amical après avoir disputé le Burkina Faso 4 jours plus tôt. Le match s'étant soldé par un nul, rappelons-le, 0-0. C'est la destination idéale pour les vacanciers à la recherche de dépaysement. Le parc national de Khnifis représente un lieu emblématique de l'écotourisme national. Connu pour ses élevages d'huîtres, cette zone humide, nichée au pied des dunes sahariennes entre Tataan et Tarfaya, est un terrain fertile pour les investisseurs
Gros plan sur ce site d'intérêt biologique. Youssef Zouati, Mbark Elbez et Myriam Elmissi. Un joyau du Sahara marocain et des côtes sud du royaume, le parc national de Khnifis, ce lieu naturel à l'immense potentiel écotouristique, est une zone d'escale et de nidification pour des milliers d'oiseaux migrateurs durant leur périple sur l'axe reliant l'Europe à l'Afrique. Une spécificité biologique qui lui a valu une place dans le classement Ramsar des zones humides d'importance internationale. Le parc abrite trois zones aux spécificités écologiques particulières. Une zone marine qui surplombe l'océan Atlantique étendue sur une superficie de 20 000 hectares. Une zone humide dite Naïla étalée sur une surface de 2500 hectares. Et une zone terrestre de 141 000 hectares. C'est cette diversité de paysages naturels qui fait la singularité de ce site sur le plan international. Outre les oiseaux migrateurs, le parc naturel de Khnifis abrite une multitude d'espèces marines, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les amateurs de pêche à la canne dans des eaux où le niveau de pollution est tout plus bas. Pour les locaux, c'est un potentiel à mettre au service du progrès économique de la région. La région commence à attirer des investissements prometteurs qui vont permettre aux pêcheurs de troquer leurs traditionnelles barques en bois contre des barques écologiques en plexiglas dotées de motorisation. Un projet de restauration des logements réservés aux marins est aussi en gestation. Les porteurs de projets désireux d'investir dans la zone doivent dans un premier temps se référer aux locaux, grands connaisseurs des spécificités de la région et explorer les moyens de son développement sur le plan écotouristique. Reconnu en 1980, site Ramsar, la lagune de Naïla fait partie des premières zones humides marocaines à rejoindre ce classement des sites d'intérêt biologique sur le plan international, un label dont jouit également deux autres sites de la région, à savoir l'Oued de Sarria Alhamra et Aftis à Boujdour. Un sportif pas comme les autres, il est détenteur de 9 records du monde en parachutisme, natif de Khnifra et installé aux Émirats Arabes Unis. Anas Bakali excelle dans une discipline classée dans la catégorie des sports extrêmes et qui demande d'ailleurs de la condition physique et de la concentration. Ses plus beaux sauts, il dit les avoir réalisés en tenant le drapeau marocain. Son portrait avec Mounia Marouche. Depuis son enfance, il rêve de voler, se déplacer et prendre plaisir au plus près des oiseaux. Un rêve qui n'a jamais quitté ce natif de Khnifra. Depuis, Anas s'adonne corps et âme à sa passion de voltige et de sensations fortes. Après de longues années de travail et de sacrifices, le destin ne tardera pas à lui sourire. Il devient champion en parachutisme. Les premières années ont été un peu difficiles. Je m'entraînais chaque jour sans relâche et j'étais tout le temps attentif à toutes les explications de mes moniteurs. J'ai voulu prouver mes performances. Faire ses preuves, relever de nouveaux défis et rejoindre la cour des grands. C'est aux Émirats Arabes Unis que le jeune parachutiste va enchaîner les formations et les entraînements et surtout débuter sa carrière en tant qu'instructeur de saut en chute libre. C'était en 2010. Très vite, les exploits se succèdent. 9 records du monde du plus grand saut en groupe depuis un ballon montgolfière. J'ai remporté en 2015 le record du monde de la plus grande formation de parachutistes, 164 participants à Chicago. L'année dernière, encore un nouveau record du monde de la plus grande formation verticale, 184 participants, toujours à Chicago. Et j'ai également 2 records du monde en tunnel. Record du monde en tunnel, un des juges. Mais le moment phare qui marquera à jamais sa mémoire, c'est quand il a sauté avec le drapeau national au-dessus de l'Everest. La plus haute altitude jamais enregistrée à ce jour, 34 000 pieds.
Une prouesse technique et artistique que sa famille a suivie avec enthousiasme et une grande appréhension. Je ne peux pas vous décrire mon sentiment quand Anas m'a annoncé son exploit. J'en ai pleuré et j'ai remercié le bon Dieu. Anas, quant à lui, il n'en croyait pas ses yeux. Sa persévérance et son dur labeur ont fini par payer. Enfin, il a réalisé son rêve. Je suis très fier de lui. Entre les voyages à travers le monde, les records battus et les stars rencontrées, Anas Bkhali ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà des projets plein la tête. Je travaille sur un projet qui vise à valoriser le patrimoine architectural de notre pays. En fait, j'envisage de sauter en parachute au-dessus des monuments phares des villes marocaines de Tanger El Gouira. Un parachute, un drapeau rouge et vert, une grosse préparation technique et beaucoup de courage. C'est ce qu'il a fallu à Anas pour avoir à son actif 11 000 sauts et 3 records du monde. S'il a déjà réalisé plusieurs performances, nul doute qu'il vise encore plus haut. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Une excellente soirée et à demain.